aux gens apolitiques qui ont accentué l'économie, c'est-à-dire que nous avons des et nous avons valorisé la diaspora. Premièrement, je me dis que service de proximité. Quand on leur fait passeport, il faut ouvrir le passeport Federal Express. Alors, excusez, monsieur le ministre, donc en fait. Nous entrons dans la pratique. Mm-hmm. Alors, quand il y a des gens qui sont dans la diaspora, capteur d'émission, ça là, jusqu'à présent, qui ne connaissent pas le ministère là. Mm-hmm. Et ça, le ministère a qu'à faire, ça, il y a pour le faire. En fait, comme ministre, vous faites aussi. Qui contribue le voté. Ou c'est parti le premier ministre qui arrive dans la tête du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Le cadre légal du ministère. De la, la mission mais, même mission, du mission diaspora, dernière mission par alliance, son organe qui. Son relation qui gère relation entre l'État haïtien avec diaspora. C'est-à-dire que son on centre d'information, son centre de liaison, d'orientation, de politique. Pays vers la diaspora et facilitation d'intégration diaspora dans le pays. Moi-même, je suis intégration diaspora total capital. C'est-à-dire que politique, économique et sociale. Qui cadre légal que le guerre? Il y a un cadre légal pour ça. Mm-hmm. Pour fonctionner. Pour fonctionner. Il n'y a pas de cas fonctionner, il n'y a pas de cas budgétisé. Moi-même, qu'est-ce mais vous est-ce que vous. Est-ce que vous êtes de poser, mais est-ce que vous volonté politique pour bal tout fonctionnement? Ça, c'est l'autre bagaille. Question de vos ministère haïtien vivant à l'étranger qui c'est MAV. C'est une entité parmi tous les ministères de l'État. Tout ministère, 18 ou 17 qui reconnaît. Qui campait pour inciter les gens qui sont dans la diaspora à y s'inviter à l'étranger. Pour intégrer, faciliter l'intégration. La difficulté qui pose, c'est que pas des mesures politiques, sécuritaires qui vous permettent de vous entrer. Ça, c'est le premier remarque que nous faisons. Mais tout remarque que nous faisons, c'est que, en dépit du fait que la diaspora est en pile, et pas bien à travers le monde, pas une diaspora uniforme qui vous pose un problème réel commun. Ça fait ça. Bon. Et bon, font pas en arrière et vous posez plusieurs questions là. Diaspora, il faut comprendre pour qui ça, monde immigré, situation économique, bien sûr tout. Vous n'avez pas été politique, mais qu'on y a, c'est économique. Économique, c'est vrai. Cap. Mais en même temps, tout, faut faire étude pour nous. Le revue côté, hein, qui sort de rapport avec mission diplomatique, yo, parce que. MAV est supposé que représentant à travers toute population, non, mais pas de ressources, il n'y a pas de ressources. Pour faire études scientifiques, ça y est, qui j'ai intégré dans la société. Moi-même, je dis que le diaspora arrive l'autre bord de l'eau, moi, je veux intégrer dans la société pour créer richesse. Mm-hmm. Si on crée richesse, là, on a besoin de retomber dans le pays, non, premièrement. Mm-hmm. Deuxième bagarre, je veux utiliser la diaspora comme engin économique pour introduire produits haïtiens vers le marché extérieur. Mm-hmm. Parce que, où on a 4-5 millions haïtiens l'autre bord, nous ne pouvons pas le vendre, nous ne pouvons pas le vendre. Nous déjà, il y a une grosse embouche gastronomique. Pour ça, ne pas introduire moi chez ça, que ministère soumis, c'est transversal. Mm-hmm. Il est là pour identifier opportunités économiques et pour aider les pays vers et le marché extérieur. Mm-hmm. En même temps, il a créé pression sous et marché local là, mm-hmm. pour produire, pour le secteur privé, produire plus vers le marché. Ça, ou exemple, l'idée c'est que tu as stabilisé le dollar. Mm-hmm. Si, par exemple, on a ouvert mon marché vers la diaspora, est engagée pour consommer les produits haïtiens, dollar, j'ai l'impression que tu as pris 50 gouttes, il n'y a pas 70 gouttes. Parce que l'infusion de dollar échange, nous, c'est 500 000 compared de 3 milliards, c'est 20% de rapport qui gagne. Nous, on a au moins 50, 60, 70%. Mm-hmm. Parce qu'avec. Produits haïtiens qui t'a ready-made pour exporter, t'as pas vers le marché extérieur. Mais diaspora à tout, c'est lui qui berceau cerveau haïtien autour. Il faut comprendre ça, Mabdou. C'est que 80% de classe moyenne, pouvoir d'achat, c'est la diaspora alliée. Mm-hmm. Et on connaît tout, majorité touriste, statistiquement, c'est diaspora. Majorité touriste, autant de statistiquement que Mister Touriste a déployé, c'est diaspora. Yo, Haïtien qui entre avec famille pour venir faire vacances. Mm-hmm. Soit le Cameroun, qu'on y a moitié de diaspora. C'est-à-dire que la capacité diaspora a gagné pour vraiment accompagner le lancement économique pays. Hein. Mais il faut bailler place. Li. Oui, mais vous sentez un flou justement dans la question de diaspora. Flou, c'est que. Est-ce que avant toute chose, est-ce que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères, est-ce que c'est deux entités dans la bataille? C'est deux entités, mais c'est. Ça différencie. Ça différencie, c'est que. Volonté politique pour la diaspora poids pour les pampilles. Qui bon nous a dit gagner à une certaine harmonisation entre deux entités. Mm-hmm. Bon. Harmonisation. Pas bataille. Harmonisation. Il y en a un autre. Quand même. Bon. Il n'est pas qu'à séparer. Mm-hmm. Parce que c'est ministère sous ministère transversal, premièrement.
Nous avons un partenaire clé dans le gouvernement. Qui va nous rejoindre? Affaires étrangères, première. Immigration. Immigration. Nous rejoignons, nous. Culture. Diffusion de la culture dans la diaspora. Culte. Tout pasteur, tout prêtre qui est haïtien. Tout. Ou bien autant que pasteur dans la diaspora qui est en Haïti. Et économie. Rapatrier revenu. Service de proximité. Archives nationales. Émission des passeports, ministère intérieur. Tout ministère ça, faut travailler main en main, surtout ministère des Affaires étrangères, pour faciliter ça. Intégration. Deuxième bagarre, tout, grande opportunité qu'on a venu pour replacer ministère ça, là, pour la place que le supposé gagner. Ministère ça, faut le penser à long terme. Nous ne pouvons pas faire un plan sectoriel de un an. Faut envisager migration côté le pour aller. Et qui j'aime pour anticiper pour répondre à besoin. Vous êtes ensemble de deux, font différencier entre diaspora dominicaine et diaspora qui est Chili, Brésil, parce que plus ou plus loin, plus des ressources. C'est là ça pour nous chiter avec le ministère des Affaires étrangères. Vous me dites, attendez, basé sur les statistiques que nous avons, le ministre des Affaires étrangères, mission diplomatique que l'autre boyo, font des gens qui gagnent en plus secteur juridique. Pour défendre le droit de diaspora dans la zone ça. Très bien. Parce que moi, je compète aux États-Unis, moi-même, t'as voulu plus mon qui l'en commerce. Comment? Parce que c'est là, sous ce développement, on a venu pour nous qui j'en t'a et introduit de nouveaux marchés. C'est approche scientifique ça, moi, que c'est une approche ça pour que le ministre de diaspora. Deuxième bagarre en tout. Alors, avant de revenir dans le deuxième bagarre, là, Goma qui en fait, je veux dire, qui est d'actualité. Il y a la question de l'intégration qui est sous table là. Yeah. Et ouais, qu'on débutait d'un coup, Jerry Dardieu, monsieur très à cheval, monsieur fait de ça, tout cheval de bataille. Maintenant, vous-même, comme ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, l'intégration pour vous-même, alliés. L'intégration, c'est que. Ils sont simples. Non, c'est l'amendement de la Constitution pour la diaspora. Full droit. Full droit. Quand il y a l'enfoule loi, ça veut dire que, en tout l'autre pays, l'autre pour l'autre nationalité, il doit renoncer à la nationalité en vous venant candidat. Ou mettre passe pour Canadien, venant à Haïti, sous fin un an de résidence, deux ans de résidence, ou venant tout droit pour gagner pour participer dans le développement pays. Faut qu'on ait majorité diaspora que l'autre bon, y aller pour des raisons économiques. Et pour intégrer dans la société coréenne, il est obligé de prendre papier légal. Il faut dire papier là, passeport, nationalité. Pour ça intégrer et le bon pour payer pas nous en tout parce que nous utiliser diaspora qui nationalisé hein les gain droit qu'on y a ces taxpayers liés dans pays côté lié hein qu'on y a l'intégrer société côté lié hein élargir sous société hein pour que loi que passe en coup TPS ba ça yo parce que sans diaspora pas de TPS c'est toute communauté et droits humains qui États-Unis et Miami New York qui fait pression sous élu qui fait que 10 sénateurs avec députés vont l'aide by et nouveau président et Trump qui fait le signer extension TPS là pour 64 000 haïtiens mais sans pression ça de vote haïtien qui aux États-Unis près de 100 000 et quelques sont bloqués liés parce que l'on dit nous pas le voter sous force politique imaginons que force politique ça n'est pas payé partout côté haïtien intégré nous mêmes en tant que pays nous venons force quoi israélien yo juif yo qui force juif yo c'est pas population non c'est synergique c'est synergique développé à travers le monde sur tout pays yo alors nous mêmes tout font dupliquer ça à travers le monde et c'est leadership okay. Ça m'a donné c'est ça que c'est ça leadership ça nous gagner nous même nous trois gagner parce que attendez bien il y a deux manières pour nous faire font faut avancer harmonieuse vers l'engagement de la diaspora mais collaboration pratique. Pas vous monter en l'air, faut atterrir. Ça veut dire que moi-même, je dis que je ne vais pas écrire un projet, c'est pour vous monter. Je dis que techniquement, si nous disons ministère commerce avec nous, avec ensemble avec finance, pour nous, qui j'aime, nous parlons exporter produits vers les communautés haïtiennes. Ça, c'est un engagement, nous-mêmes, pour nous faire porte. Très bien, ministre. Deuxième barre, service de proximité, archives nationales. C'est Boston seul qui dégoûte mon archive à l'époque que je là. Pour les gens qui ont une pièce, parce qu'on a ici, il y a aussi de papier, tu as perdu tout le monde. Bon. Troisième bagarre, en tout, il y a un timing avec taxation de la diaspora au dollar 50. Là. Moi-même, si je suis là, je dis que faut 50 centimes retourner dans la diaspora. C'est-à-dire que, un, dans le ministère de la diaspora, pour, parce que nous,
directeur communication dans la diaspora, qui dans le ministère, mm-hmm. il a besoin d'outils pour être en communication avec la diaspora. Il mm-hmm. faut nous monter. Le ministère a besoin de fonds pour le voyager. Il a besoin de fonds pour le développer. Il a besoin de fonds pour le stagiaire. Moi-même, je prends en pile université, étudier université, qui a fait mémoire, je vais bouiller dans la zone ça. Que c'est surtout statisticien. Statisticien mm-hmm. avec bah, social yo, pour me dire al fait 3 mois 6 mois dans zone qui gagne problème yo ben n'a qu'a fait droit yo al font étude pour qui gens nous ca répondre à besoin yo très bien mm-hmm. alors c'est un poste scientifique ça me dit que font ça ca utiliser même faire la promotion des produits mm-hmm. moi même et alors et ministre moi même c'est Gauthier Bernard moi même moi souvent à les États-Unis et moi gagne plus fort moun dans famille qui a vu aux États-Unis, particulièrement en Floride. Et je suis toujours à discuter, que ce soit des journalistes seniors de diaspora, que ce soit Patrick Eliancy, mm-hmm. et Yves Clozel Alexis, Pierre Nazon Boulière, même Piment Bouc, je suis toujours à discuter de questions de diaspora. Et il y a une réalité qui est dans la diaspora. Par exemple, la diaspora haïtienne, que je regarde aux États-Unis, n'est pas constituée de véritable communauté. C'est comme si je disais, même dans la Floride, où la diaspora haïtienne n'est pas entendue. Je vais prendre un exemple. J'ai l'époque élection, tu as Lucie Tondreau. Mm-hmm. Pendant Haïti, il y a plusieurs candidats et la communauté mm-hmm. spanish, il y a un seul candidat. C'est un grand exemple. Mm-hmm. Maintenant, il y a une communauté cubaine, spanish, mm-hmm. et qui est particulièrement en Floride. Les Cubains ou bien Spanish, venez aux États-Unis, ils ont une communauté qui est aptenue, qui permet d'intégrer une mm-hmm. communauté d'accueil, qui permet d'intégrer le système américain. Mm-hmm. C'est ainsi que, il y a des Haïtiens qui vivent aux États-Unis, ils prennent 10 ans pour intégrer le système américain. Il y a des Haïtiens qui vivent aux États-Unis, ils n'ont jamais évolué, non? Même 3 ou même 2 maquettes, ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'ils n'ont tellement pas une communauté, surtout au niveau des États-Unis, où qu'on arrive dans un cas, moi-même, je n'ai n'importe 3 ou 4 frères, je suis l'embati. Moi, vers 15 jours, à peine son froid, nous tous réunis. Ça a le travail, ça a rentré, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que, haïtien qu'on est dans la diaspora, ou bien États-Unis, parce que ça me prend comme exemple, il n'y a pas jamais intégré le système là, parce qu'il n'y a pas une communauté d'accueil. Ça, c'est le premier problème. En plus, nous toujours à frapper l'estomac, nous, que nous voyons 2 milliards de dollars en Haïti, c'est vrai que comme ça, ils ont injecté dans l'économie paysan, etc. Mais nous, je dis, nous, ça, gagne diaspora, par exemple, sous point diaspora et des pays en Afrique. Diaspora pays, ça a tellement organisé, structuré, ou abgade boue, et kon, monsieur, font un bagage dans le pays qui montre que gon diaspora kapaji. Par exemple, moi, exemple, dit, pour qui ça? Mba oué, yon école professionnelle, qui dit école professionnelle de la diaspora du Cap. Ça veut dire que, attends, moi-même, gagne des bagages m'a dit, c'est pas un concret. Par exemple, pendant nous allons faire interaction, pendant nous-mêmes, nous avons frappé l'estomac nous pour l'intégration, mais on est d'accord avec le ministre, en pile moun là qui a dirigé le pays dans la diaspora. Oui. Ça veut dire que nous-mêmes nous avons d'ailleurs pour nous voter. Ça veut dire pour nous prendre tout le monde là net pour nous. Et bien, nous avons regardé si ça nous gagne comme engagement concret, rien du tout. Maintenant, comment nous avons, ça c'est la question pour nous qui doit parler, comment nous avons intégré tout le bon dans le pays, nous-mêmes dans la diaspora, nous avons même fait inventaire des ressources humaines, la frappe de l'estomac, nous avons dit que nous dans la diaspora. Statistique, c'est bon statistique. Nous avons pas frappé l'estomac, non. Moi, je dis que nous voyons près de 2 milliards de dollars directs. Qui participent dans le produit intérieur. Attendez, vas-y. Deuxième bagage, si vous êtes sans doute, faut ministère ça, je vais voir. Il faut qu'il rentre dans l'approche scientifique de la gestion de la diaspora. Division qui est dans la diaspora, depuis le commencement, nous sommes dans la diaspora déjà. Le ministère a un rôle pour engager la diaspora, pour rapprocher la diaspora vers des projets palpables. Qui ça me devait faire moi-même? Équiper le ministère avec les technologies pour nous faire contact avec eux, pour nous diffuser les besoins paysans, pour rapprocher la diaspora vers les besoins Haïti. Ce que je devais faire, c'est comptabiliser l'association régionale. Ou qu'on soit le Miami. Il y a 15 associations au Cap, 15 associations. Je me dis, on comptabilise, on fait une seule fédération. Gouvernement, pour un budget, 25 centimes sur 50 ans, 10 départements, choisissons un projet,
faire diaspora faire 50-50. Ça veut dire rejoindre moi ça. Faut me parler, faut me pratique, bon, bon approche pratique de intégration diaspora. L'on engage diaspora dans la pratique, il rapproche automatiquement. Deuxième vague en tout. Même gens statistiquement, moi dou que majorité diaspora qu'entre eux, ministère te un bureau dans l'aéroport pour l'interview moun k'ap rentrer, pour qui ça va rentrer, qui sort à rien fait. Yo ferme bureau ça. On pa gen donné ça yo kon le ministère pour dire l'entreprise entreprise à rentrer, qui sort à rien fait. Nous parlons de maison de la diaspora. Maison de la diaspora pour moi c'est tout centre de recherche. Ou bibliothèque que tout ça qui gen la diaspora, yo voyel, nous mettez dans maison de la diaspora. Mettez le champ de masse dans centre ministère. Mais elle tape au centre de recherche pour haïtiens qui situent tout, mais c'est une maison de rapprochement de besoin diaspora avec besoin local. Amendement diaspora. Ministère golden opportunité ou profession. Non. Pour le marché dans toute diaspora, il dit qui ça nous voulait dans l'amendement. Moi-même, pas de gain ça, l'homme des ministres. Mais si je gagne ça, c'est une opportunité moi, pour te rapprocher diaspora vers une vision commune. C'est-à-dire que c'est ça le besoin. Ministère là pour gérer vision ça. Interdépendance ça, l'homme de vision commune, on parle de tout bas, ça parle automatiquement. Eh bien, il fait midi 6 minutes, on a reçu un matin, et ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Alix B. Baptiste. Donc, je dis à nous connaître que son journée spéciale, c'est journée de la diaspora, journée nationale national, de la diaspora. Trois jours consacrés à la journée. La petite pause, donc au retour, on a continué avec l'entretien que nous avons avec M. Baptiste. Ça me 90.5, Signal FM. Il est l'heure. Les infos, Yvenson Franck. Bonsoir à tous et de retour pour le deuxième bulletin d'information de la journée.